L'actualité de ce samedi 28 avril, bonsoir. Lui, Romuald Jérôme Joseph, a été reconduit en cellule policière, recherché depuis octobre 2017. L'homme âgé de 29 ans, habitant Batry-Cassé-Rochebois, a été arrêté ce matin. Il est soupçonné d'avoir tué le sexagénaire Abin Koumar Touobel à Trouobiche. Il a comparu devant la Bail and Remand Court où une charge provisoire de meurtre a été retenue contre lui. Lui, Romuald Jérôme Joseph, comparaîtra une nouvelle fois devant le tribunal de Pamplemousse lundi 30 avril. Dans le sillage de cette affaire, trois personnes sont en détention. Koumaren Ormand a comparu devant la Bail and Remand Court ce samedi. Il est accusé de maltraitance. Cet habitant de Suriname, âgé de 43 ans, a été reconduit en cellule. Une vidéo le montre frappant son fils handicapé de 23 ans à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Rencontré avant son arrestation hier, il a nié avoir frappé son fils. Nous donnons un mois au patron pour qu'il révise les salaires, sinon nous entamerons une grève. C'est ce qu'a déclaré Ashok Soubron lors d'une manifestation des travailleurs de l'industrie sucrière organisée ce matin à Port Louis. Les syndicalistes affirment que le patronat fait la sourde oreille. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end. L'information continue sur l'express.me.